Au pire, on pourra toujours changer. Ah. Voilà qui est fou. Ah, c'est fou. Voilà, plus ça c'est fait. Bah, ce qui est bien sur Farm, c'est que techniquement, les problèmes de trésor ça existe pas trop. Que la map est assez petite. Bon, écoute, je le crée. T'as du vol de vie pour pouvoir rester comme ça ou c'est qui touche pas? Non, c'est si de la régène. 2 points de 8 secondes, c'est vrai que c'est pas trop mal. Terre, on passe sur terre et dehors, ça va être pical. Comme il n'y a pas de lumière, en fait, moi je les vois surtout grâce à leur barre de vie. Mais je suis juste à la limite de mon père, donc en fait, t'as la moitié des ennemis qui n'ont pas de barre de vie. Oh putain! Essayez de pas faire les secours, vraiment de les buter rapidement parce que là il a suicidé. Bon, j'achète une armure, il va y avoir un double FPC de vague. Bon, allez, dégage. C'est pas moi qui. Premier c'est fait. Ouais, deuxième effet. Commence à être court en munitions. Ah non, mais c'est vrai que ce spot. J'avais jamais fait comme ça. C'est un bon spot. Souder la porte du milieu. Ben. C'est plus comme une garantie parce qu'en fait si tu places quelqu'un à la porte ben là où vous êtes, c'est vous qui allez les aggro. Moi je profite juste de la fenêtre et je ferme la porte pour éviter qu'il y en a qui me prennent à revers. Ah non, ce spot de même à 4. Parce que moi j'avais jamais trouvé de spot bien sur ça, j'avais déjà essayé le balcon. Et j'avais pas ça. Et là avec le config c'est pas mal franchement. Attention, il y a un autre crack qui m'approche. Attention à la porte par contre, alors c'est pas des grenades. Cette nouvelle mode, ça ouais, cherchait absolument à faire exploser les husks. Bah c'est tellement plus simple. Et j'ai pas gros tour. Bah non, c'est pas gros tour de jeu, mon dernier. Il avait raison, pas ta gros tour. Ah, le husk, il va être chouette. Ah putain, le strike il a pris. Ah putain, je suis le putain de merde. Il est bouché là, il est n'importe quoi. Vraiment, on se voit mal sans question. J'ai vu une balle passer par la fenêtre. La torche, elle est con à la même tombe, tu me la tiens. Bah, je vais le laisser. Ah, j'ai pas réussi à voir la sirène. Oh putain, c'est quoi derrière? Ouais, ah, mais c'est vrai qu'il est pas aggro sur moi. Oh, quoi. C'est bon, le spec il est. C'est bon, on a fait du coup de lag. Oh, mais en fait, c'est nickel avec toi, les gars. Parce que du coup, il t'aggro pas. Il bouge pas, la bouche bouge pas, j'ai tout des bouchardeurs. Ah, t'es resté commando? D'accord. Bah oui, j'avais dit que je passerais, comme ça je vous couvrirais. Non, c'était une mauvaise idée, bon, par j'aurais pas su, je suis passé sur le Bah, on a intérêt à le burst, hein, je pense, hein. Bah, ah, là, ça va jouer dans la... Ça va se faire en une minute, hein, c'est soit on crève, soit il crève. Le truc qui est proposé à la côté de lui, là-bas, c'est putain merde, je l'ai raté. Putain, il a fallu qu'il y ait un vieux test avec ce mec. Il arrive. Attention, il arrive. Il a un peu de grenade. Il va pas tarder à passer notre MJ. Merde. Putain, il est sur. Oh putain, j'ai plein de fusils. Il revient, il revient. Oh putain, bien, je l'ai raté. Il fait
un vieux train. Attention, grenade, grenade. Wouhou! Putain, la vie. T'es tendu par contre, le Nipovzi là de l'autre côté, hein. 4 PV. Je pense pas que ce soit moi qui l'ai goûté. Non, c'est toi, bah, c'est toi. On peut peut-être refaire à peu près la même config qu'on avait là, c'est-à-dire Zerk, tout ça là. Je connais un spot où c'est à peu près pareil. Je pense que ça prend trop ce qu'on va faire. Tu devrais peut-être prendre la régène par contre, au lieu de descendre chercher la régène et comme tu peux. Ça va, je vais faire sur la première, ouais. Franchement, la régène. Ouais. En vrai, c'est joué comme toi au début, mais en fait, 50 PV, c'est surtout pour le boss, quoi. Tant qu'il boss, là, en vrai. Bon, ça passe les premières fois, mais après, tu verras quand même que c'est mieux la régène. C'est-à-dire que si je me prends des dégâts, est-ce que. J'ai plus intérêt à avoir plus de vie pour avoir plus de marge ou si la régène suffit à compenser d'une façon ou d'une autre. Oh oui, la régène là pour moi, ça va. J'en pense pas. Après, il y a un médic, donc ta confiance en Morpheus, je te conseillerais de faire 150 PV. Ah oui, je lui fais confiance, voilà. Hein, c'est pas un souci. Oh, l'esquive. Something's here. T'es pas mort, oui. Non, visiblement, pas trop. Ah, surtout, c'était une mauvaise idée de rester en bas. Là c'est trop large. Est-ce que vous tirez sur le gars de droite ou vous faites attaquer par le gars de gauche et... On voit que dalle. Moi où ils ont enlevé une arme. C'est quoi pour toi? L'épée bâtarde. La Svayander. Ouais. Si personne l'a dans un... Comment dans un... Je l'ai pas. Faut avoir chevalerie. Donc... Oh. J'ai pris un peu cher. Lui aussi donc... ouais non mais... J'ai pistole sur les autres. Il est pas mort cette fois. Là, je suis. Mais furtif, je suis. Pour vrai, bah, c'est déjà mieux quand il y a un truc. Le bleu, je crois qu'il a pas trop aimé. Ça, c'est gâté. Y'a un truc sérieux. Oh! Ah! Go. Get our the
Patrick, on l'entend plus du tout, hein. Je sais pas ce que t'as avec ton micro, Patrick. Tu parles pas. Ça va être 30, ça va être 30. Oh putain. You have been killing my test subjects. You're my new. Ça j'ai. Il a un gros mouchon. Oh, ça peut pas. Et il revient. Il revient. C'est sec en grenade. A éviter de le faire monter la tour. Attention grenade. Tu fais péter tes balles toi. Non, viens là, viens la grenade, viens la grenade, viens la grenade. Viens la grenade. C'est que des fumigènes. Ça part. Ça va être. Je suis balancé une grenade à ses pieds. Je sais pas si ça ça sac là. Bah, je l'ai fait en passe grenade, donc je sais pas si c'est qui l'a tué, c'est peut-être toi qui l'a tué avant moi. Possible. Ah non, c'était moi, tu peux.